J'espère que vous allez bien. Alors, moi, ça va. Voilà. Ça se guérit hein, tout doucement. Mon entorse va beaucoup, beaucoup mieux. Et voilà. C'était, voilà. Dehors, c'est pas terrible. Mais on fait avec. Hein. Il fait froid surtout. Hein. On a été obligé d'allumer le chauffage. Il fait très, très froid. Donc, je suis allée à. Action. Et puis j'ai acheté quelques petites choses. Donc là, je vous ai envie de vous faire le haul news. Ah là là, j'en ai partout. Donc j'ai pris ces blocs. Voilà. Pourquoi? Bah, parce que je vais faire un album. Je suis allée avec mon mari et des amis au zoo de la Palmyre. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un petit album en fait pour mettre les photos. Donc voilà. Je me suis dit, moi j'aime bien le noir et blanc. Donc voilà. Donc c'est comme ça. Alors, je me suis dit, ça peut être sympa. Alors il y a deux feuilles de chaque. Là, il y a plein de. J'ai trouvé ça rigolo parce qu'il y avait plein de die cut, de. Voilà. Donc là, c'est normal. Alors c'est dommage, ils ont mis les jolies pages derrière les die cuts, quoi. C'est ballot, quoi. Regardez. Mais derrière, c'est les die cuts, quoi. Donc, bah, ce que je vais faire, je vais les photocopier, il n'y a pas le choix. À moins qu'ils nous les aient mis en feuilles. Alors, attendez que je regarde. Ça aurait été intelligent. Ah, ben, ils nous les ont mis en feuilles. Donc, bon, voilà. C'est pas. Donc, il y a celle-là. Hein. J'ai rien dit. C'est super, ils nous les ont mis en feuilles. Par contre, ils nous ont fait des feuilles recto verso. Donc, bah, je ferai des photocopies tout simplement. Quoique j'en ai deux blocs. Voilà. Donc, il y a ceux-là. Avec les ailes, là. Alors, je me suis dit que ça se prêterait bien pour faire un album. Voilà. Les zèbres. Faire un album sur le thème zoo. Alors, je dois en avoir quelques-uns par là sur ce thème-là. Alors l'éléphant, regardez comme il est beau. Voilà. Donc je pense que ça sera la page de l'album. Alors je vous le montrerai quand il sera fini, hein, parce que là, hein, je n'ai toujours pas fini l'album de mon mari. Donc voilà. Des petits palmiers, je trouve ça rigolo. Alors des palmiers là-bas, j'en ai vu. Hein. Oh là! Ils n'hésitent pas sur les petits palmiers. Hein. D'ailleurs, c'est assez marrant. Alors là, c'est des girafes, jaguars. Voilà, donc je me suis dit, ça pouvait être sympa. Bon, ceux-là, vous les avez vus. Celui-là, vous les avez vus. Donc, ils sont. Alors, par contre, ils me disent un buffle. Mais moi, le buffle, je ne l'ai pas trouvé. Alors, attendez, je regarde. Ben non, j'ai que l'éléphant. Bon. Grave, hein. Ah, si, le voilà. Voilà. Donc, ça sera les pages de devant. Puis, il y a des petits carreaux comme ça, c'est joli. Et puis après, bon, bah, c'est des die cuts comme ça. Des cartes un peu project live. Donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Regardez le lion, là, comme il est beau. Avec la petite girafe. Donc, je me suis dit, ça pouvait être sympa de faire ça. Donc, j'en ai pris deux. Voilà, parce qu'il me faut bien ça pour faire. Et après, j'ai des papiers noirs et blancs. Donc, tout simple. Mais c'est pas les mêmes. Ah, si. Voilà, donc je me suis dit que ça pouvait faire un joli assortiment. Et je me suis pris ce design pad. Voilà. Alors, idem. Je pense que c'est le même qu'a utilisé Kat. Enfin, bon, bref. De toute façon, si c'est pas le cas, c'est pas grave. Et. Je en ferai certainement
aussi un junk d'ailleurs, ou un album, enfin, je sais pas. Voilà. Je sais pas trop ce que j'en ferai. On verra bien. Donc c'est joli parce que là, il y a des règles. Je trouve ça rigolo. Puis il y a des onglets. Enfin, il y a plein de choses hein, sur ces petits blocs là. C'est bien pratique. Voilà. Bah vas-y, éclate-toi. Fais-je comme chez toi. Et des fantômes. Alors par contre, le papier est très joli. Regardez. Donc, je pense que ça, c'est vrai que ça doit bien se prêter à faire un junk. Voilà. C'est vraiment très joli. C'est vrai que ces papiers avec des petits pois là, c'est vrai que ça se prête facilement. Voilà. Des papillons pour faire des die cuts, c'est génial. C'est souvent d'ailleurs que je fais des die cuts avec, avec les blocs d'action. Alors, il y a celui-là et celui-là en mauve. Il y a celui-là avec la forêt, là, c'est super joli. Hein. Alors, il y en a deux chaque. Voilà, et puis il y a ceux-là. Vraiment très très chouette. Je vous dis, pour faire un junk, ça va être une tuerie. Je pense que c'est comme ça qu'il va finir d'ailleurs. Oh, ces roses là, regardez comme elles sont belles. Magnifique. Super joli. Alors il y a du papier fin, il y en a du moins fin. Il y a des cartes comme ça. Et voilà, je me suis dit. Il y a des cartes de Project Life pour mettre dedans, ce sera super bien. Voilà, donc ça fera l'objet peut-être d'un tuto pour, je sais pas, je verrai mon humeur. Non, je verrai surtout le temps qu'il me faudra ensuite. Alors, comme il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui ont participé, je suis allée chercher des bonbons. Voilà. Il y a une quinzaine d'enfants quand même qui ont participé. Donc, je suis super contente. Donc, je leur ai acheté des bonbons en tout genre. Et je les ai pris enveloppés, comme ça, dans des petits sachets individuels. Parce que, voilà. Les enfants, ils aiment bien avoir leur petit sachet. Ensuite, j'ai pris, bon, ce qui n'est pas scrap, j'ai pris des sacs poubelles, c'est très intéressant, mais franchement, ils sont vraiment pas chers et ils sont avec des petits lacets comme ça, et c'est bien pratique pour les fermer. J'ai pris ça. Des pastilles lave-vaisselle parce que ils sont très très bien. Moi, depuis que je prends ça, excusez-moi, j'ai des hautes à force de tousser. Depuis que je prends ça, mes verres sont plus abîmés. Voilà, parce que mes verres étaient corrosés. Il a fallu que je les jette, ils étaient tous abîmés. Des sacs comme ça qu'on gonfle, enfin non, qu'on dégonfle, des pochettes pour ranger du stockage en fait, parce que dans le camping-car, comme il y a eu une infiltration dans la salle de bain, j'ai ramené tout à la maison, mais voilà, il n'y a pas de place dans la maison, donc il faut bien trouver un système pour tout ranger, les couettes, les housses de couettes et tout ça. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au scrap. Donc, j'ai pris du rouleau double face. Ma Flo, c'est pour toi parce que je sais que tu es en panne avec. Donc, je t'en envoie.
Après, j'ai pris. Alors après, j'ai pris plein de petites choses. J'ai pris des paillettes. Voilà. Alors, elles sont jolies. Alors, ça, je crois que c'est Je pense que ça doit être des copeaux de feuilles. De folles. De feuilles. Ouais, enfin, comme vous voulez. Hein. Donc, j'en ai pris de l'eau. Voilà. J'ai pris des drops. J'en avais déjà d'il y a 2 ans. Faites voir que je regarde. C'est pas ça. Attendez, je regarde, mais je crois. Ouais, c'est ça. J'en avais pris il y a 2 ans. Oh hein, viens par là. Enfin, c'est le véritable bazar chez Béa. Voilà, alors donc j'en avais pris des. Ça doit être ceux-là d'ailleurs. Comme ça. Mais les bidons. Oh non, c'est exactement les mêmes. Enfin, c'est pas les mêmes couleurs que j'ai pris, mais. Voilà. Donc j'en avais pris comme ça et ils en ont refait des comme ça. Donc j'avais pris. Ouais, ouais, c'est vraiment pas les mêmes couleurs en plus. C'est génial. Si vous voyez, le bleu, c'est pas le même. Voilà. Donc, c'est super. Génial, géantissime. Donc, j'ai pris ceux-là. Je vais les mettre avec après. J'ai pris les noirs et les gris. Voilà. Idem, je ne pense pas que ce soit les mêmes. Absolument pas. Super. Voilà. Donc, idem, je le mets là. Et j'ai pris les violets et roses. Voilà. Et je vous montre le rose de. Ça, c'est le rouge. Évidemment, je dis rose et je prends rouge. Et. C'est pas tout à fait le même. Celui-là, il y a 2 ans, était. Enfin, oui, 2 ans. 2 ans ou l'année dernière, je ne sais plus. Avant le confinement, ils sont un tout petit peu plus foncés, ceux-là. Voilà. Donc, c'est pratique, ça fonctionne très bien. Moi, j'en ai déjà fait sur les cartes. Ils sont très, très bien, ceux-là. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris. Je remonte mon sac parce que. Voilà. J'ai pris du vernis mat. Voilà. J'ai pris des perforatrices cœur. Enfin, non, c'est des fleurs. Mais ah. Des fleurs. Voilà. Donc, j'en ai pris. J'ai pris avec des petits nœuds. Comme ça. Donc, j'en ai pris une chose pour rester là. Alors, j'ai pris des. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça. Des pastels métalliques. Des pastels métalliques. Je ne sais pas si vous les connaissez. Mais pour moi, c'était nouveau. Je vais les tester. Je vous dirai. Et j'ai pris des tampons. Bois. Voilà. Une ampoule. Un donuts. Et une bannière. Voilà. Hop, tout ça, ça reste là-dedans. Avec ça. Voilà. Ça va de l'autre côté. Bah écoutez, ça va être tout pour mon haul. Ah non, 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 c'est pas tout, c'est pas tout, c'est pas tout. Alors, j'avais oublié. Chez Nose, j'ai trouvé des plaids. Des plaids de Star Wars à 3,99€. Attendez, je me recule pour vous les montrer. Et ils sont vraiment magnifiques. Hop, voilà. Comme ça. C'est pas facile à vous montrer ça. C'est très très grand en plus.
Voilà. Ah, il est à l'envers. Non, voilà. Des plaids. Comme ça. Hein. Voilà. Des plaids Star Wars. Hein. Moi, j'ai des fans de Star Wars à la maison. Et puis, j'ai acheté à mon mari. C'est bazar. Je lui ai acheté une veste en jean. Enfin, je sais pas quoi. Qui est elle comme ça. Voilà. Et la veste, elle était à 14 euros. Doit. Que je retrouverai le prix s'il y est. Donc, moi, c'était 14,95 €. Quelque chose dans ce goût-là. Donc, voilà. Je lui ai pris ça. Voilà. Pour sa montée. Bah écoutez, je vais vous faire de gros bisous. Je vais ranger tout ce bazar maintenant. Et puis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir. Ah oui, un pouce, un like, un abonnement. Je suis ravie. Ça me fait super plaisir. Puis n'oubliez pas, hein, le gros cadeau est toujours valable. Voilà, ou 1000 abonnés, il n'y a pas de souci. On se retrouve pour le haul Griboule. Non, pas Griboule. Je ne suis pas la Griboule. La ressourcerie. Allez, bisous, je vous aime. Au revoir.